Bonsoir à tous. Hop, peut-être baisser encore un peu. Oh, ça va être mieux. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on va donc streamer un peu de Guitar Woman. Voilà, juste pour le fun. Et après, on va attaquer le début de Bravely Default 2, sorti vendredi dernier. Donc c'est tout récent. Voilà le programme de ce soir. Donc, Guitar Woman. On va jouer sur la version PSP. Hop là. Tac. Version PSP qui est en fait un portage du jeu original qui était sorti en 2001 sur PS2. Je reprends mes trucs. Yep. 2001 sur PS2 au Japon, sorti après en 2002 en Europe. Et la version PSP, elle, date de 2006, c'est un portage donc. Pas beaucoup de changements par rapport à la version originale. Donc pour ceux qui connaissent pas, Guitar Woman c'est un jeu de rythme. Voilà, c'est un jeu où il faut appuyer sur le bouton au bon moment et éviter de se tromper le plus possible. Classique. Pas grand chose à dire dessus. Hein. Design assez particulier, sympathique. Bon, la version anglaise et européenne. La traduction est, je dirais, pas terrible. Il n'y a rien que le nom du personnage principal. En anglais, il l'appelle Yuan. Alors qu'en vrai, c'est un jeu de mots parce qu'en japonais, ça donne Yuichi. Ce qui est un prénom japonais. Mais en anglais, dans les CA, on va le laisser Yuan. Bon. Il y a plein de petits trucs comme ça, des approximations. Bon, après, on joue pas à ces jeux pour le scénario. Ouais. Le principe du jeu est pas compliqué, c'est assez classique, c'est avec le stick on suit une ligne qui a des moments qui présente des barres et quand les barres apparaissent il faut appuyer sur un bouton le temps que la barre continue et on a une autre on a plusieurs phases, on a cette phase là, après on a des phases où en fait il faut appuyer sur les touches rond, croix, carré, triangle au moment où vous atteignez le centre. Ça et en général les musiques sont découpées en trois phases. La première phase on va cumuler de la vie, la deuxième phase où on va attaquer l'ennemi en évitant de perdre trop de vie, et la troisième phase où là c'est en fait on achève l'ennemi avec on va dire, une mise en scène spectaculaire et tout. Voilà, je joue pas sur PSP, je joue sur PSTV. Ouais, le jeu est toujours dans la boîte. Sur PSTV avec un dump que je me suis fait. Voilà, donc pas de piratage. J'ai une petite prima version, je me suis fait mon dump, je l'ai mis sur PSTV. Parce qu'après, d'après tout ce que. Quelques différentes vidéos, apparemment, au niveau qualité, le PSTV pour la streamer de la PSP, c'est le mieux. Donc, on va y passer tout de suite. Tac. Yep. Et salut James, j'ai oublié de te dire bonsoir. Hop. Est-ce que... Ouais, si, c'est bon. Hop là. Je me coupe la musique, sinon je n'entends plus rien. Et c'est parti pour Guitar Woman. Voilà. Donc je vais pas vous montrer le tout premier niveau du jeu parce que le tout premier niveau c'est le tuto, c'est pas très excitant. On voit juste, on apprend voilà que notre personnage quand on lui passe une super guitare du futur se transforme en Guitar Woman pour combattre les méchants grâce à la musique. Et on joue le rôle ouais, de Yuichi, un ado
un ado qui est amoureux de cette fille, je sais même plus comment elle s'appelle. Mais qui a bien sûr un rival. C'est pas lui. On joue pas pour un jeu musical pour le scénario. Je dis qu'à mon cas, sinon après j'attends pas le son. Hop là. Hop. Donc on va charger déjà la partie. Je sais alors même plus qu'est-ce que c'est. Bon, on a un mode joueur, un joueur, on a un multijoueur, on peut jouer je crois à deux. Ouais, on peut jouer à deux. Bon, avec les PSP, avec les PSTV, ça va être un peu difficile. Théâtre, c'est pour voir les vidéos. Jukebox, c'est pour écouter les musiques. Mode, je sais même plus ce que c'est. Ok, c'est la difficulté. Je pense. Les collections, ça doit être des petits trucs qu'on débloque. Bref. Hop, on lance un joueur. Épisode 2, on skip le premier. C'était con le Yuan. Pico. What are you doing? Practicing your skateboarding moves? You gotta be kidding me. You call that skateboarding? Kazuya. But Yuan told me he's an awesome skateboarder. Alors que l'autre, ils ont laissé le nom. Remember how easily I tripped you up yesterday? You can't do anything, let alone skateboard. Face it, you'll never succeed. Not in 100 million years. I will too succeed. No, wait, maybe not. I'm pathetic. Come on, let's go, Pico. Huh? Hey, wait! Hey, that wasn't very nice. You didn't have to be so mean to him. Transformation. Donc là, on va voir du coup le premier mode de jeu. Donc avec le stick, on dirige un faisceau. Doit suivre. Bon, pour l'instant, on la voit pas. Une musique très heureuse. Voilà, donc avec le faisceau, on doit. Suivre la ligne. Et quand on a des blocs, ben en fait, on doit appuyer. Donc ça c'est la première façon de jouer. Il y en a une deuxième qu'on verra un peu plus tard. La première phase, la phase chargée, récupère de la vie. Maintenant, c'est la phase où on va attaquer l'ennemi. Donc, ça, c'est les autres phases de visée où il faut appuyer sur les boutons quand ils arrivent au centre. Donc, chaque fois qu'on réussit,
on fait perdre de la vie à l'ennemi, mais si on se chie, c'est nous qui perdons de la vie. Et là, par contre, on n'a pas moyen de récupérer de la vie, je crois. Donc cette phase dure jusqu'à ce qu'on ait enlevé, je pense, 4... les 3 quarts de la vie, 4 cinquièmes de la vie. Et je pense que ces phases d'attaque sont aléatoires en fait. Je pense que le jeu a plusieurs patterns enregistrés et il en choisit l'ordre est différent à chaque fois. Peut-être partie de la génération. Quasiment on pourrait dire que le gameplay ressemble un peu à celui de Host Attakai Wendan ou Elite Beat Agent en Europe. Et ça c'est plutôt normal parce qu'en fait ces deux jeux ont été développés par le même développeur, Innis. Bon, sauf que Guitar Woman est quand même un peu plus ancien que Elite Beat Agent. Bon, B, c'est pas top. Moi, en même temps, j'ai l'impression que, bon, en utilisant peut-être un peu la PSTV, plus, d'ailleurs, derrière, j'ai un splitter HDMI, plus j'ai le boîtier de capture, plus l'écran, j'ai un petit lag. Donc, il faut que j'appuie, en fait, un peu plus tôt que ce que je vois à l'écran. Et non, j'essaye pas de me dédouaner de la note bof. Hop, on sauvegarde. Ouais, si on fait revoir, en fait, c'est juste un replay de tout ce qu'on a fait, donc faut l'utiliser. Donc, chapitre suivant. So, this is the last Gitaru Man. Sir! What are the Gitaru? Sir? The legendary Gitaru inside Flying O's body. Sir! Sir, it's been taken! Listen up. Sir! Yes, sir! We have lost 2 Gitarus already. I want them back. And bring me his Gitaru. The last Gitaru. Sir! Do not fail me. Sir! Send Moto King B into the sir. Sir! 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 Meow. Okay, listen, you one. You are of the Gitaru Man bloodline, inheritor of the legendary Gitaru. If you can collect all of the Gitarus, you'll gain great powers and... Boom, huh? I have other plans. Huh? I'm gonna practice my skateboarding and Pico's gonna be like, wow, you're so cool! If you live in your dreams, you got no future, you one. Look. Only you can use this Gitaru that's been passed down for generations by the ancestors. The ancestors? Meaning my ancestors? Meaning what? By the way, Puma, since when exactly have you been living at my place? I don't know exactly when I was born, so I'm not exactly the... Dude, look out! Huh? I'm gonna get you, Gitaru Man!
Et tu vois, on va passer à du funk, je crois. Gotta do what? I gotta believe! Allez, phase d'accumulation. Allez, phase d'attaque. Funky. La vie des boss commence à mettre un peu de temps à descendre. La vie de l'ennemi descend plus lentement que le niveau d'avant. D'ailleurs, la musique réagit ou note quand même. Enfin, réagit. Disons qu'on active la bande de son de la guitare si on fait des bonnes notes. Un peu comme un guitario. Donc si on se chie, on n'a pas de son de guitare. Voilà, c'est bon. Bon, la fin c'est pas top hein, en même temps avec le décalage que j'ai. You win. Toujours B. Hop. Après le jeu n'est pas très long. Enfin, tout dépend. De l'habileté du joueur, mais je crois qu'il n'y a qu'une dizaine de musiques.
This isn't happening. This isn't happening. This isn't happening. It's me, of course, Miranda the Elder. Quite impressive, Gitaru Man, defeating such a powerful Gravillion agent. Gravillion? Oh, we've prayed and waited for this moment. Yeah? Gitaru Man, come to planet Gitaru immediately and free us prisoners from captivity. What's Gitaru? Farewell. I await you on planet Gitaru. Huh? Puma, I'm not going. Not in 100. Where'd he go, huh? All systems A-okay, you one. Oh, no, I don't want to go. I don't. Whoa. Bon, l'histoire est un peu what the fuck quand même. So you're here, Gitaru Man. Release Ben K. Sir! Sir! Hurry, Gitaru Man, hurry! Là, on a une bataille directe, on n'a pas de charge. C'est bon. You made it. Ah bah sur la fin, c'était horrible là. Tous les trucs qui s'enchaînent, tac 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 tac. Et au moins, je l'ai passé. On y a quoi ? Niveau 5 ? Donc, une fois ce niveau passé, on devrait être à la moitié du jeu. Déjà. Transformation robot. Plutôt reggae, style. Mmh.
On a plusieurs phases de charge de bataille. Ah oui. Ah mais attends. Tu crées pas une sauvegarde à chaque fois par hasard après. Bref. Huh? What's that? Je suis le méchant. You may hand over your guitar to me. That is the legendary last guitaro I have been searching for all my Don't life. Don't give it to him, you one! Of course not! Very well. Our empire is beginning its conquest of the universe. I'll start out with you, weaklings. You cannot possibly defeat me. Not in a million billion years. Stupid girl! Creep! Guitaro man, you have been warned. Is it that everywhere we go, the same kind of jerks say the same kind of things? Always making fun of me. That's why, Puma. Huh? Puma? To Planet Guitaro!
Here I am, old-timer, against my will. So where on this rock would you be? Hmm? What now? Whoa! Achoo! Achoo! Pico? Hmm? My name's Kira. What are you doing here? Well, I just found this here, and, Can you sit down there? Sure. So who is this Pico? Just an old flame. Love, I envy you. Love is something I can never hope for. Never? Oh, don't worry about it. I just came out for a walk to see the moon, but then I heard that. Oh, this. Yeah, somehow I seem to be okay with this thing. Hmm? You're good. I tried once, but I could never play like that. Salut, Megami. Donc là, hop, petite section, on fait juste de la guitare, on n'a pas de gros méchants à combattre. Donc c'est la partie plutôt douce après la bataille. Bon, ça là est pas très compliqué par rapport à ce qu'on a déjà eu avant. Oh, c'est un petit jeu, ouais, un petit. C'est quand même un Koei derrière, un Koei Tecmo derrière. Enfin, Koei à l'époque, il n'y avait pas tout. Qui a eu du succès, hein. Pouvoir. Bon, en Europe, il s'est pas tant vendu que ça, il n'y a pas eu trop de... Ah, de disques déjà édités, je crois. Ah non, y a pas, j'ai pas les chiffres. Hein. Hop. J'ai pas les chiffres, hein. Peut-être sur la page française. Je regarde. Hop. Non, même pas. Bon, page japonaise, pas la peine. Hein. Ils comprendraient pas grand chose. Mais après, bon, la version PS2, je pense qu'elle doit être assez rare à choper. Du moins, version PAL ou NTSC européenne.
Mais je pense que l'édition, la version PSP dans les caches, enfin moi c'est là où je l'ai trouvé la version PSP dans un cache. Ça peut se trouver, je pense, assez facilement. Hop, oui. Instead, hop. Juste faire menu pour voir c'est comment on en est. Hop. Ouais, tu vois, il y a 11 musiques au total. On en a déjà la moitié. Après, la difficulté va en grandissant aussi. Gitaru man. Sir! Sir. Sir, yes, Puma, sir. What's happened? Where could you have gone? I'm so lonely, Puma. We've been together so long. That's why I said I didn't want to come to this stupid place. What? It's moving. Oh. Ah! Whoa! Hey, guys, ain't it cold with no skin on? At last he's come. Welcome to our planet, Gitaru Man. Hey, it's you. How does it feel to know you've been had? Zoe, une prison dans les barreaux sans caoutchouc. By the way, your friend has been waiting for you. Puma! So you dognapped him! It was too easy. You're both such sads. Gitaru Man, without this mutt, you can't fight. You creep! Give Puma back to me! Go, San Montreal. Allez. Ok, bon, on va récupérer de la vie. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. C'est mal barré pour l'instant. Thank you.
Et très mal barré. Ah si, je l'ai eu, mais ouf, juste. You won. I'm sorry, I worried you. Puma. But hey, you did pretty well all by yourself, didn't you? Yeah, I did. You win. Ouais, là, c'est normal. Allez, musique numéro 8. Gitaru Man, hero of legend. We have been waiting for this moment for so long, and we are all so grateful. Grateful? To me? Gosh. We have been freed, but the real battle is just beginning. To save this planet, you must get back all the guitars the enemy has taken. There are just two left. When they're all collected, a great power will shake the sky. You can't allow Zoe to possess that power. Guitar Man, go now! We gotta go, you one. Don't lose now. Allez, mets la fouette. Hard rock. Puma, this guy gives me the creep. Pull yourself together. Believe in yourself. Allez, y est à fond.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ça va être chaud. Je crois que c'est foutu. Et c'est foutu. Oh, you lose. Mama, I've done it again. Oops, I did it again. Allez, on va essayer encore une fois. On commence à avoir les mêmes boîtes. Hein. Mama. Puma, this guy gives me the creep. Pull yourself together. Believe in yourself. Je vais tenter un truc pour voir. Hop. Est-ce que je sais pas si. En le branchant, est-ce qu'un filaire ça marche mieux? Non, pas. Aïe 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 aïe. Mal barré, je pense. Barré. Et là on peut voir que les sur cette partie les faces sont pas identiques à la partie de tout à l'heure.
Il est mort. Quasiment plus rien, il lui reste encore la moitié. Et voilà. Mais avec le décalage que j'ai, c'est horrible en fait. Mama, bon, sur PSP, ça marchait mieux. I've done it again. Hop. Je vais pas retenter une troisième fois parce que je sens que ça va être échec. Mais on voit que sur la fin, quand même, la difficulté monte comparé vraiment aux toutes premières musiques. Hop. Juste pour voir les autres, qu'est-ce qu'on a vu? Donc dans le théâtre, c'est juste les vidéos. Jukebox, c'est bah, les musiques du jeu. Collection, c'est des petits trucs qu'on débloque. Hein. Ben K. As a space shark, he's a rough, tough customer. C'est une sorte d'encyclopédie du jeu, quoi. Et mode. Bah sinon on se met à facile mais... C'est triché un peu du coup. Après je vais pas quand même dévoiler toutes les musiques. Laissez les dernières musiques pour ceux qui veulent vous souhaiter découvrir le jeu quand même. Pas tout dévoiler. Bref, hop. Tac, donc on va s'arrêter là, je pense, pour Guitar Woman. Donc hop, je remontre Guitar Woman, version PSP, qui était là, jouée via PSTV. Donc sorti en 2001, 2002 sur PS2 et 2006 sur PSP. 2006-2007, je crois qu'on a eu la version d'Europe. Hop, vérifie. Oh non, là il y a un 2006 aussi. Hop. Qui c'est qui écrit? Hop, ok. Bah voilà, pour Guitar Woman.